Bonjour à tous, ça va? Salut! Ça va bien? Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter le Nordwave 2. Et là, j'ai joué le Sud. Parce que le Sud et le Nord, ça me fait beaucoup rire. Enfin, il n'y a que moi que ça fait rigoler, peut-être. Mais enfin, c'était important pour moi. Donc, le Nordwave 2, c'est le nouveau arrivé de la famille Nord, ben, voilà, qui était déjà assez conséquente. Nordwave est une wave station, comme son nom l'indique. Hein. On va retrouver donc de l'analo, on va retrouver de la synthèse FM, on va retrouver des lecteurs d'échantillons, hein, qui est propre à Nord. Hein. Bien sûr, on a toujours la possibilité de pouvoir changer nos gammes de sons. Alors, là, on va avoir quatre voies de polytimbralité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mélanger quatre timbres. Et c'est super facile, il suffit de les actionner, etc., etc. On peut les faire marcher tous les uns après les autres. Alors, comme toujours chez Nord, hein, ils ont pensé à une ergonomie vraiment, vraiment, vraiment assez simple. Ça reste quand même des machines assez impressionnantes. On va avoir un arpégiateur, on va avoir bien sûr toujours les effets qu'on retrouve chez Nord, hein, toujours bien rangés, un peu, ce que je dis toujours, un peu dans l'esprit d'un pedalboard de guitariste, c'est-à-dire que chaque effet est bien à sa place. On va avoir un equalizer, on va avoir deux écrans OLED, donc un écran pour le général, on va retrouver tous les sons, etc., etc. Et un petit écran qui se trouve ici, on va retrouver justement ces fameux sons qu'on va appeler. Par exemple, là, on a le mellotron, on a le son de flûte. Et puis on va pouvoir changer ici les formes d'ondes. Là on est sur des samples, on va pouvoir aller sur l'analo, on va pouvoir aller sur les formes d'ondes, on va pouvoir aller sur la FM, etc., etc. Et après on va pouvoir bidouiller tous les sons, chercher les différentes banques. Enfin, c'est assez simple quand même d'utilisation, même si ça reste une grosse bécane. Hein. Possibilité de splitter, alors je vais vous faire quelques petits exemples. Donc là, un son qui est plutôt sympa. Aftertouch aussi. Avec un clavier waterfall. Alors la petite molette ici est assignable. Il y a différentes fonctions. Par exemple, on peut avoir des fonctions de morphine. Enfin, tout un tas de choses comme ça. C'est une bécane qui sonne monstrueux de chez monstrueux. Donc, si vous voulez venir l'essayer, eh ben, faut venir chez nous parce que là, on l'a. Et puis, ça fait un petit bout de temps qu'on l'a, mais on n'a pas eu vraiment le temps, j'ai pas eu vraiment le temps de vous faire cette démo. Donc, venez l'essayer, même éventuellement l'acheter. Ça peut se faire. À bientôt. Allez.